Bonjour et bienvenue à cet autre numéro de Regard de la Crème Hebdo. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Dans ce numéro, notre regard sera posé sur la liste de Rigobert Song. En effet, le Cameroun affrontera le 12 septembre prochain les Hirondelles du Burundi dans ce qui est convenu d'appeler la finale du groupe. Le manager sélectionneur a publié en début de semaine une liste de 24 joueurs. Et comme on pouvait s'y attendre, des revenants, des ressuscités, des nouveaux et bien sûr des classiques qui ne bougent pas tels des seigneurs. Le retour le plus tonitruant est sans aucun contexte celui d'André Onana. Le sociétaire de Manchester United est de nouveau convoqué pour un match officiel avec les Lions indomptables. Depuis la dernière Coupe du Monde où il avait claqué la porte de la sélection. Oh, pardon, on l'a poussé à partir. Ça en était suivi l'annonce de sa retraite internationale. Une imbroglio qui a créé, avait créé ce problème jusqu'à aujourd'hui, pas encore réglé. Quelles ont été les situations qui ont poussé André Onana à partir de la sélection? On n'en sait absolument rien. Sortira-t-il de cette retraite? La Crème Hebdo observe la scène avec beaucoup d'attention et attend le déroulé des faits. La Crème Hebdo a également observé et constaté le retour de Clinton Ndiaye. Hué, charrié durant la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le natif du sud-ouest Cameroun n'avait plus goûté aux délices de la dernière CAN. Grâce à son état de forme excellent en club, le mouilleur d'hier revient dans les grâces de Rego, comme quoi le manager sélectionneur des Lions indomptables donne la chance à tout le monde. Bon retour, petit. Le retour de Clinton Ndiaye coïncide avec celui d'Harold Mokodi, l'auteur du tir au but malheureux qui avait privé le Cameroun d'une finale de CAN à la maison. Sera-t-il porté en triomphe dans une défense remodelée sans Nicolas Nkoulou dont la convocation surprenait plus d'un ou la suspension de Jean-Charles Castelletto pour défaut de carton? Il formera la paire avec Christophe Ouhou, jeune hôte prodige du Cameroun. Comme quoi, il faut compter sur la magnanimité et l'intelligence du manager sélectionneur Rigobert Song Bahanak. Notre regard s'est aussi posé sur une drôle de situation. Du deux poids deux mesures, comme tentent d'expliquer les experts du football camerounais. Fabrice Ondoa, sans club, convoqué avec les Lions indomptables, rime avec la non-convocation de Faye Collins, fidèle serviteur lui aussi sans club. L'homme de la théorie du danger saura au soir du 12 nous expliquer avec certainement théorie à l'appui ses choix. En fonction du résultat, la sélection du jeune prodige camerounais de Montpellier, Enzo Chateau, le fils de l'autre, Bill Chateau, ancien Lion indomptable, réclamé en sélection, se joindra aux autres Kemen ou encore Elliot Djongwe. Pour l'heure, tous derrière les Lions indomptables pour une doigt écrasante. Nous sommes après tout les rois de la forêt, l'hirondelle ne pourra pas nous faire peur. Prenons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre regard sur l'actualité, sur la Crème TV. Mais en attendant, abonnez-vous et lâchez surtout un pouce bleu. À très vite.